À lundi. Mais vous ne vous habillez pas. Écoute, je suis chez moi et je me balade comme je veux. Même à poil, compris? Oh, Seigneur Marie-Joseph. Oh. C'est que vous devriez sortir un petit peu, enfin voir du monde. Ce serait bien pour votre... Pour mon quoi? Pour votre morale. Ne t'inquiète pas pour mon moral. Oh, bah qu'est-ce qui me fait le gros nounours dans sa caverne? Il hiberne! Ah! Tu me fais de la peine, je vais pas te laisser comme ça! N'insiste pas, vas-y sans moi. Ah, non, merde! Mais quand même! C'est interview the match! Eh ben, enregistre-le! C'est ça, pour me faire spoiler le résultat à la radio. Eh ben, éteins la radio! Ah, éteins la... Ça suffit! J'en ai assez entendu pour aujourd'hui! Je retourne à mes occupations! C'est que j'ai toutes les fiches des nouveaux adhérents à remplir! Moi, monsieur, oui! Et un mois de prière en retard à classer! Oh, stupido! Cretino! Ça t'arrive d'être traité en direct? En direct. Oui, oui, en direct, sans passer par le circuit administratif, tout ça. Par exemple, mettons, si je te demandais une petite faveur. Comme quoi? Par exemple, que le match se passe le mieux possible pour l'Inter. Pour Bell, directement. Oui, bah c'est pas sympa, hein. Tiens, petit, garde la monnaie. Oh, je vais avoir besoin d'un petit remontant. T'aimais ça? Oui, monsieur. Raccompagne ce jeune homme, tu veux? Le raccompagner? Mais où, monsieur? Nom de Dieu! Petit, essaie de te souvenir de ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai pris la commande. Je me souviens avoir du mal à trouver un hôtel paradis sur Google Maps. Alors, comme la personne au téléphone avait un défaut de prononciation... Mais quel défaut de prononciation que j'avais, ma condomine? Silence! Ma va, des défauts de ma va. Silence!